Alors, c'est parti pour la présentation des vernis colorés, hein, du plus clair au plus foncé. Donc là, on a carrément un nude, un rose bébé, là aussi un rose très, très layette. Ensuite viennent les roses un peu plus soutenues. Alors Pico, Maybelline, ici, encore Pico, encore ici. Bon, c'est surtout c'est Pico, ici, mes marques préférées. Il y en a d'autres, bien évidemment, de supermarchés, ou de Sephora, OPI, China Glaze aussi, qui ont de très très jolies couleurs avec de très belles tenues. Là, c'est un vernis que j'ai pris chez Lidl. Je ne l'ai pas essayé encore, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ensuite, arrivent les couleurs un peu plus ténues, je vais dire, un peu plus foncées. Et là, c'est un Nicole Terry qui est très pailleté. On ne voit pas bien ce que ça rend, mais il est vraiment très, très joli celui-ci. Et Kiko, ici, encore un Lidl que je n'ai pas encore essayé. Ici, Sephora. On continue avec les couleurs un peu plus colorées. Alors, ça va être du violet, du bleu, du turquoise. Là, c'est toujours un diary que j'ai acheté, Nicole Diary, qui est très pailleté, très joli aussi. J'en ai que deux de cette marque-là et sont vraiment très très bien. Après, Sephora, là, on parle dans les couleurs que je mets moins souvent, mais bon, je les aime au cas où. Ensuite, on repart sur des roses orangées, saumonées. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup d'oranges. J'ai eu ma période orange. Voilà, donc pour finir, un petit Sephora. Et c'est reparti pour la suite de la présentation. Donc là, ce sont des vernis métallisés, chromés de L'Oréal. Ensuite, ce sont des miniatures de chez Sephora. Bon, pour leur petit effet, c'est sympa au moment des fêtes ou l'hiver. Moi, j'aime bien aussi ces couleurs-là. Ensuite, viennent les rosés, rouges et pailletés, on va dire. Donc, différentes marques. Hein. Vous avez du China Glaze. C'est comment ça s'appelle? Oh zut, j'ai oublié le nom. Je ne me souviens plus, c'est pas grave, on passe à l'autre. Ensuite, ça sont des couleurs du supermarché. Alexandre pailleté. Du Kiko, toujours Alexandre nude mais foncé là. Là, OPI, et puis un nude un peu marronné, on va dire. C'est une très jolie couleur bordeaux. Aubergine, chez Alessandro. Yves Rocher, ça c'est pareil, c'est une très jolie couleur également pour l'automne, j'aime bien mettre ça. OPI avec des couleurs pailletées, pardon, excusez-moi. Ensuite, trois autres pailletées, très jolies également, dans les bleus, dans les verts un peu canard, très joli reflet. Ensuite, sont des couleurs foncées, bien évidemment, rose, hein, également aubergine, bleu nuit, et après on part sur du noir, tout simplement. Voilà, la présentation est terminée, je n'en ai pas d'autres. Et après, ce sont des vernis semi-permanents. Là, j'en ai beaucoup également, et on fera une vidéo prochainement.